aussi connu pour soulager les douleurs de règles, grâce à son action antispasmodique. Coucou, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je te parle, comme tu l'as vu dans le titre, est-ce que je fais cette introduction pour rien? Oui, il me semble. Donc je vais te parler des produits... Je suis vraiment dans ma tête, mais on est plusieurs quoi. Je te retrouve pour te présenter les 4 produits qui m'ont aidé pour passer des règles moins douloureuses en cette période de coronavirus, de confinement, où on ne peut pas prendre donc d'anti-inflammatoire. D'habitude je prends moi de l'antadis, mais là c'est pas recommandé, donc du coup ben, je ne vais tout simplement pas le prendre. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de passer à quelque chose de plus naturel pour mes règles, parce que j'aime pas trop prendre de médicaments, j'en prends pas beaucoup dans ma vie, à part pour mes règles en fait, à vrai dire. Et j'essaie de passer beaucoup plus aux huiles essentielles. Bref, donc je vais te présenter tout de suite les produits, on ne va pas tourner autour du pot. Ah oui, juste avant de commencer, n'oublie pas que si mes vidéos te plaisent, tu peux t'abonner. J'essaie de faire grandir ma chaîne en fait, et le moyen pour toi de me soutenir, qui est tout à fait gratuit et qui te prendra une demi-seconde, c'est tout simplement de t'abonner, d'activer la petite cloche de notification, et ou de liker la vidéo et de laisser un commentaire ou plusieurs. Donc voilà, si jamais tu peux le faire, je t'en serai vraiment reconnaissante. Donc j'ai tout simplement demandé aux pharmaciens de me conseiller pour pouvoir passer en fait des règles les plus chill possibles pendant ce confinement. Je vais pas me la jouer pharmacienne ou autre, je n'y connais pas grand chose en fait. Je te lis les définitions, enfin les informations que j'ai trouvées et du pourquoi, du comment ça marche, parce que je ne vais pas faire style je m'y connais alors que c'est pas le cas. Je te lis des informations qui sont sur mon téléphone et que tu peux très facilement retrouver toi-même. Donc c'est de la marque Pharmascience, la science naturelle, donc c'est de l'huile d'onagre. J'adore les comprimés, ils sont trop beaux, donc ça c'est complètement hors du propos, mais en fait ils sont trop beaux, genre on dirait que tu as de l'or dans la main. Je suis trop fan. Genre j'ai kiffé en prendre tous les matins parce qu'ils étaient beaux. Bref. Donc ça c'était à prendre 2 à 3 capsules par jour, donc c'est écrit là, avaler avec un grand verre d'eau au milieu des repas, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris 3 capsules par jour une semaine avant de commencer mes règles et la semaine de mes règles, donc pendant 2 semaines finalement, parce que ça c'est d'un côté pour donc il y a écrit confort menstruel dessus, c'est en fait pour c'est pour aussi tout ce qui est syndrome prémenstruel, pour limiter un petit peu, tu vois, genre les sautes d'humeur, les petites voilà, l'état un peu de stress, d'anxiété, d'énervement, tu vois, l'état pas cool là, l'état chiant, l'état relou que moi voilà, je subis fortement. Je sais qu'il y en a qui le vivent mieux que d'autres, il y en a qui voilà ne font pas face à toutes les émotions de la terre pendant 2 semaines, mais moi c'est le cas et du coup ben voilà, j'avoue que ça m'a bien aidé. Donc l'huile d'onagre, voilà, ça va marcher, l'huile d'onagre pour l'acné prémenstruel. L'huile végétale d'onagre prise par voie orale a la réputation de soulager certains symptômes liés aux troubles prémenstruels et à la ménopause, notamment l'irritabilité et certaines douleurs. Elle est dotée d'une grande richesse en acides gras essentiels, en particulier oméga 3 et vitamine E. Donc voilà, c'est une huile qui est, comme ils disent là, hormonostimulante, anticholestérolémiante. Putain, mais je pense à tous les gens qui apprennent pour faire leur doctorat et tout là. Pas leur doctorat, pour devenir docteur en fait. tous les noms chelous qui doivent se taper, vous voulez pas voir. Progestéronique, hépatoprotectrice, antidouleur, règles douloureuses, stress. Donc voilà, c'est un peu ça le DEL. Et à côté de ça, il y avait aussi donc la mélisse, de la même marque. Donc là, c'est des gélules de mélisse. Donc il est écrit que c'est pour la digestion. Et en fait, oui, c'est aussi le cas. Et donc là, c'était 3 à 6 gélules par jour. Du coup, je refaisais la même chose à chaque repas. 2 gélules de mélisse, une gélule d'onagre à chaque repas, donc 3 fois dans la journée. Et cela pendant 2 semaines ou 10-12 jours en tout cas. Donc voilà ce que j'ai fait. Et ma foi, ça a quand même pas mal marché. La mélisse, elle agirait sur les troubles nerveux, donc stress, anxiété, angoisse, crise de nerfs. Elle a aussi des effets antispasmodiques pour les spasmes de l'estomac ou du côlon. Donc pourquoi pas de l'utérus, hein. Enfin voilà, c'est dans la même région. Pour les troubles du sommeil, pour l'insomnie, bah, je devrais peut-être commencer à en prendre pour ça aussi, parce que là, clairement, pendant le confinement, j'ai pris un rythme, n'importe quoi, et du coup j'arrive plus à m'en sortir. Anyway, problème cardiaque, tachycardie, troubles gastriques, excès d'acidité dans l'estomac. Donc voilà pour la mélisse. Voilà, il y a aussi dit qu'on peut l'utiliser en décoction dans le bain, donc je sais pas ce que c'est une décoction, très honnêtement. La mélisse est aussi connue pour soulager les douleurs de règles, grâce à son action antispasmodique. Donc voilà, c'est pour ça que ça marche aussi. Honnêtement, quand j'ai vu qui avait écrit digestion sur le truc et que le mec me répétait, parce qu'en plus c'était un mec, du coup je me suis dit non mais le mec il connaît rien, même s'il est pharmacien et tout, vu qu'il a pas ses règles et il écrit digestion, c'est n'importe quoi. Ouais, du coup j'ai bien fait de l'écouter finalement parce que ça a marché. Et donc des vertus apaisantes, et en effet c'était bien le cas. Donc ça c'était les gélules, les trucs que je prenais tous les jours. Et ensuite quand mes règles sont arrivées, j'ai pris
plusieurs fois par jour, ou en tout cas quand j'avais des, quand je sentais qu'une crampe allait arriver ou que j'avais déjà des crampes qui étaient là, pour éviter que ça s'installe plus, j'ai fait un petit mélange d'huile d'arnica et d'huile essentielle de Golteri. Bon, pour l'arnica, c'est vrai que c'est assez connu quand même, donc c'est anti-inflammatoire et cicatrisant. Évidemment, ça, on en entend parler tout le temps, que ce soit donc bon là pour tes douleurs de règles ou pour des douleurs de dos ou autre. Bref, je vais pas m'étaler dessus. Donc il faut mélanger les deux, faut faire attention bien sûr avec les huiles essentielles, s'assurer qu'on n'est pas allergique et s'assurer que on en met pas trop et qu'on en avale pas trop non plus. Bon là c'est pas question d'avaler, c'était en fait j'utilisais l'huile d'arnica et la Golteri pour faire des massages locaux, en application locale, donc sur le bas ventre là comme ça, et potentiellement si t'as des douleurs pareilles dans le bas du dos, des douleurs de reins par exemple, selon où t'as tes douleurs, tu pourras réutiliser ça. Et c'est bien parce que de toute manière la Golteri et l'arnica, tu peux utiliser ça dès que tu as un coup, dès que tu as une douleur musculaire ou autre. Donc voilà, c'est multi-usage. Si jamais t'as d'autres douleurs, n'hésite pas à réutiliser ça. Donc même si ça a pas forcément marché pour tes douleurs de ventre, dans tous les cas tu les auras et ça te sera toujours utile. Bref, du coup par rapport à la Golteri, donc il faut pas dépasser, ils disent là 5 gouttes par jour. Donc t'as déjà le petit doseur dedans quand tu goûtes, enfin quand tu renverses, ça goûte tout simplement. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je mettais par exemple 2 gouttes dans ma main et je mettais ensuite de l'huile d'arnica comme ça. Donc c'est pas la meilleure manière de faire. Si tu peux trouver un petit flacon, t'as tout le dosage qui est écrit en fait sur l'huile. Chaque huile essentielle est à traiter avec ses propres précautions, donc attention, tu regardes ce qui est écrit sur le flacon et puis tu peux te renseigner aussi sur internet. T'as même aussi des petits livrets guide des huiles essentielles si vraiment tu te chauffes et que tu veux en acheter plein. Moi j'ai commencé à faire une petite collection entre guillemets, mais je dis guillemets et je fais les guillemets. Vraiment, si t'as pas compris qu'il y a des guillemets, voilà. Je me perds. Alors si tu veux genre te préparer pour ta semaine de règles, ce que tu peux faire, c'est tu prends un petit flacon vide et tu mets, du coup par exemple, si tu mets une goutte dans 15 ml, tu mets 10 gouttes dans 150 ml si je ne m'abuse. Je crois que les deux trucs c'était 8 ou 9 euros chacun. Mais du coup, il en reste encore plein, hein. J'en ai déjà utilisé beaucoup, il y en a plein. Il y a quoi, 200 gélules dans celui-là et 120 ici, donc ça doit quand même faire plusieurs cycles. Tu peux aussi trouver de l'huile d'onagre qui est pas en capsule. Apparemment ça coûte moins cher que l'huile qui est en capsule, mais bon, je vais pas te dire les prix parce que j'ai pas recherché ça. Si jamais tu l'as en huile tout court et pas en capsule, tu peux l'utiliser en massage et la mélanger par exemple avec une huile essentielle. Donc tu pourrais par exemple obtenir un massage avec l'huile d'onagre et l'huile de Golteri. Moi ce que j'avais demandé, c'est que vu que j'ai tout acheté en même temps, je me suis bien assurée que évidemment on puisse prendre tous ces trucs là en même temps. Vu que je ne connaissais pas les produits, on m'a bien précisé qu'on pouvait combiner en fait tous ces produits là, donc la prise d'onagre n'empêche pas la prise de mélisse. Donc comme le pharmacien m'avait dit, c'est bien noté sur plusieurs endroits qu'en termes de synergie d'huile, l'huile d'arnica se marie bien en gros avec la Golteri. Ou alors avec l'eucalyptus citronné ou un macérat huileux de calendula et de millepertuis, je sais pas comment ça se prononce, bref, toutes ces combinaisons là pour avoir un effet anti-inflammatoire avec l'arnica. Encore une fois, quand tu vas acheter tes produits, tu vas checker avec le pharmacien lui-même parce que, je te l'ai dit, je ne suis pas pharmacienne. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait pendant ma semaine de règles là et j'avoue que ça a bien marché, donc je suis tout à fait heureuse de cela. Je tiens à dire que mes règles sont douloureuses de type normal. Je n'ai pas d'endométriose ou de bail chelou avec mes règles comme ça. Et je touche du bois pour que cela continue. Mais voilà, genre je sais que j'ai une amie qui quand elle a ses règles, en fait, elle tombe dans les pommes et elle prend de la morphine ou un équivalent de la morphine. Donc voilà, là je te parle de ce qui a marché dans un cadre de règles, je vais dire, normal, parce que si jamais t'as un cycle qui est beaucoup plus problématique, disons, peut-être que ça va t'aider, tu vois, mais à moindre mesure, je pense. Donc voilà, c'était bien de savoir ça. Bon ben voilà, c'était une vidéo normalement assez courte. À chaque fois que je dis ça, normalement la vidéo dure 35 minutes, mais bon, là pour le coup je pense qu'on est pas mal. Donc je vais te laisser sur ça, j'espère que ça aura pu t'aider. Dis-moi en commentaire si tu as des alternatives aux médicaments, que ce soit pendant le confinement ou pas, pour tes règles. Et voilà, peut-être qu'on pourra s'entraider, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu pas contre les pharmacies et
et contre les médicaments directement, mais qui aimerait passer plutôt au naturel et que ça peut aider donc de voir des vidéos de ce type là avec des gens qui recommandent d'autres trucs. Donc si jamais t'as des conseils, si jamais t'as des petites idées, des trucs qui marchent pour toi, à part le truc de la bouillotte chaude sur le bas-ventre, oui, enfin on connaît déjà tout ça, mais si t'as un, voilà, je sais pas, une plante que tu utilises par exemple, une huile essentielle qui marche pour toi, je sais que pour les migraines par exemple t'as l'huile de menthe poivrée qu'on peut mettre là sur les tempes en massage, attention de pas en foutre dans les yeux, mais voilà, ça fait passer un peu la migraine. Bref, voilà, si t'as des petites techniques comme ça, n'hésite pas à le dire en commentaire. Je m'arrête de parler, je te fais des bisous, à la prochaine.